ça joue un niveau assez similaire pour l'instant. On a Inky qui a bien appris à camper. Et ça, c'est rare. Oh, par contre, on a le feu qui passe sur la plateforme. Un petit 26%. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ah, tu veux camper? Vas-y, viens. Le problème, j'ai entendu, non pas. Putain, j'ai en train le choix de rester sur PS2. Il a parti. Oh là là, mais il est mort là. Il est mort là, 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 là. Quelle est la lecture? La pari, malheureusement, c'est un double hit. Y'a qu'à ne pas attaquer. On a parié que le premier coup, malheureusement, pour Obsidia, le Bordelais, n'est pas encore tiré d'affaire. Est-ce que Magic peut quand même s'en sortir et prendre le game 3? Un père passe. Il se fait prendre la grenade. Grenade, non. Algo qui a construit llevarse una soca, un porcentaje irrisorio, también lo hizo. También lo podría haber hecho Kira, porque el downer de Didi puede hacer exactamente lo mismo que el de Falcon, pero en este caso fue Oye, y ahí se nota un poquito cuando se rasgan las costuras, ¿no? Cuando ves que un jugador está a un nivel superior. Tiene miedo a ganar, o está intimidado por el hecho que Nierkis haya ido a andar. Uy, bueno, casi se come ese up smash. Hay un jugador. Ahora empieza la fase de meta. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ha pasado! Respect pour les tentatives, on respecte le hustle ici, mais malheureusement, ah non, toujours pas, la Baxro qui a pas trouvé preneur, et on va pouvoir s'offrir au moins une dernière chance du côté de Pilote. On va pouvoir tenter cette edge guard. Oh bah oui. Oh bah oui. M2 peut-être même sur la victoire en plus 7 finalement. On va trouver en plus 7 d'intro, backer derrière, on va peut-être chercher le Huffy. Ça va tuer. J'aime beaucoup ce qui est proposé là pour l'instant, en tout cas. Dommage, encore une fois, tentative de limite ici pour essayer de gratter les pourcents avec le neutral B, mais ça ne passera pas. On va trouver le petit tâche un petit peu dans le dos, mais ça passe. Ok, le grab qui est magnifique. Oh oui, ahí tiene casi cualquier cosa. El Nero Stage también mata. Ahí está el Wario intentando algo. A ver si consigue algo. El pelo, ojito que se lleva el Asto. Qué bien ha jugado Bels. Eso. Voy a nombrarlo. Ahí vemos el stock que se le acaba de ir y cuidadito otra vez Big Boss, que esto puede ser la muerte y la segunda. ¡Barbaridad! 18% y se iba dos stocks. Que esto es esto, recordemos, que le queda la última stock. ¡Ay! Que una vez se lo tira fuera, le está intentando conectar. ¡Eso es un chilbre! ¡Eso es un chilbre que se veía venir! Ahí va el segundo, se acabó la partida, 1-0 para Gak. Avec cette Rosa, le petit qui appartient également sur le joueur, on tape un petit peu, il disparaît sous le moment, mais de bonne dash attaque. Là de Dizek qui trouve également un forward air. Est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr qu'on va y aller. Deuxième forward air, on n'est pas encore mort, mais je pense qu'il n'y a plus de saut pour Astra. Il y avait un saut, mais il va se faire intercepter. On confirme, là des bons setups depuis tout à l'heure, là on le voit bien. Attention par contre, le nerf qui passera pas. On va trouver cette fois-ci la Baxro, attention. Et il vient prendre cette game 3 avec des joueurs de qualité comme ça, pas pour un top 64 qualifier. Oh non. Oh, l'interaction de fou. Para Falco, el tema del reflector, porque puede ser muy bueno, muy pero oh, la que la acaba de liar ahora mismo, Brutoni, que es un c'est ça, la conversion est très sexy. C'est des conversions assez simples, mais ça a du flow. Je trouve, tu vois, petit Wittner. Ah, ça va tuer par contre, sans aucun doute. C'est pas pur. C'est Bluing, là, c'est le Wario, l'un des tout meilleurs joueurs au monde. Et là, le boulot est en train d'être fait. C'est pas le joueur Solari, là. C'est terminé, c'est un 3-stop. Oh, Spargo, il aime bien faire ça, ça fonctionne là, malheureusement, ça n'a pas link. Ça aurait été très beau. Oh, joli, de la part de Naitoro, là, on réussit à prendre le centre du terrain. Oh là là, non, Naitoro, ça se fait pas. La Rico qu'elle pense être, elle est très linéaire et elle est très punissable. Par contre, oh là là, le combo qui part de rien. Le combo qui part de rien. Le joueur lyonnais, le joueur de villageois, doit vraiment se concentrer. Oui. Attention, parce que ce forward smash va être whiffé. Oh oui, bah oui. Va y avoir un dit. La stock est quasiment. Il a fait à peu près le même travail qu'on vient en stock 2. La mauvaise drift de Detox s'est fait justement punir. On avait anticipé ce side B, malheureusement, on n'a pas eu la punition. On a trouvé ses airs. Drop forward air. Ah, Backer va a hacer un poquito de trabajo para el buen Metcol, buen posicionamiento. Otra vez la presión sobre el escudo. El forward de 1 y 2 que son safe, ese Dautil también que van a presionar. Oh, y ese Api, cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué? Foudre, après on rappelle le Fatal Foudre, hein, tu te mets des dégâts à toi-même. On a le nerf qui, on le rappelle, peut mettre en situation de tech chaise. Et si jamais tu ne tech pas face à Pichu. Toutes deux interactions et Nae est totalement dedans. Maintenant il faut que, encore une fois, qu'il arrive à aller chercher le stock, qu'on arrive à trouver ce down air. On arrive à gratter 20%, on arrive à trouver un upper, on arrive à trouver un back air, on va directement retreat, on va trouver ce nerf, c'est bien cette phase là qu'il est en train de faire. On arrive à trouver cette down throw, on arrive à trouver un upper, un down air, c'est bien. 95%, qui va tuer sur le down tilt. Elle peut te faire entrer dans la légende ici, Nae, qui pour l'instant commence bien, il démarre bien les hostilités, il arrive à trouver d'excellentes attaques éclair. Attention,
foudre. Le Fatal Pool qui vient directement le spike. Missile, peut-être un grab. Non, on va se repositionner. Lugi qui reprend le centre du terrain désormais. Oh, la grosse phase de Lugi, la grosse phase de Lugi. On va trouver la ride. Zone Bissan ne tuera pas pour l'instant. Donkey Kong qui a un personnage lourd, on le sait. On va réussir à sortir de ce coin. Oh oui, la part de Sirov. Lugi qui fait face à un déficit, il peut totalement revenir. On rappelle que Luigi, c'est un kill power qui est vraiment exceptionnel. Voilà, il suffit seulement d'une phase. Voilà. D'accord. C'est ça qu'on attend d'un attaquant. Et c'est, oui, c'est de mettre des buts. Oh non, ouais, ça tue pas, ça tue pas. Il peut pas tuer. Ça dispose pas d'un outil pour tuer, donc il sait très bien qu'il va juste essayer de faire un combo starter, 45% tout de même, ce qui est déjà très il très bien. On arrive à trouver cette dash attack, voilà. On arrive à trouver l'explosive flame encore, le fer malheureusement qui ne touchera pas, on arrive à trouver le nerf, la phase d'avantage, on va tuer le baquet. Et oui, on va tuer. Que les nerfs, ça peut connecter sur quelque chose par la suite avec un waft qui pourrait arriver. On a le full waft de près, mais pour l'instant les waft on en a pas placé énormément, on en a placé un en situation d'edge guard. Attention, par contre, la tapade. Et oui, quand j'en parle, voilà, quand je parle du loup. Et Rob qui usa contre él mismo y encuentra un 25-5 ahora, continúa la fase con Dash Attack a Nair y estamos entrando porcentajes interesantes para Kill Confirm para... Une fois l'utilisation de la toupie. Non, c'est trop dommage. Il est en train, mais je te jure, il est en train de lui rentrer dans le crâne. C'est une dingue. Mais il est en train de lui rentrer dans le crâne. Y no se vale, ah, por suerte, sí que se acaba llevando 1-1 tras esto. Esto se pone interesante. Sí, bueno, hemos visto como Naetor inmediatamente ha aprovechado el personaje que tenía. Perfecta conversión. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que acaba de hacer Naetor o el Chino Tonel! Sacar daño tiene... tiene mucho... Estás viendo. Es un sinvergüenza, tío. Le ha pillado el Gyro, que es una de las cosas más difíciles de hacer en este juego. Se la ha tirado inmediatamente. Le ha dado un repelús a Brass diciendo eso. ¡Hostia! Pour empêcher Nitox d'aller plus loin, il ne peut se targuer que de mettre seulement 2 R. Heureusement, on trouve aussi des fers et on arrive à Ice la le side B qui aurait pu tuer la dernière. Magnifique. Magnifique. Hein, c'est fort, c'est 2 stocks d'avance déjà, ouais, en ouverture de rencontre. Là, pour le coup, on n'est pas du tout. C'est pas la le même Larsa, non. Le coup de Larsa qui va suffire à tuer. Troisième, après la petite taunt là, le petit vient là de CAC. De gag, je pense que Secret Style l'emporte. Ça peut être compliqué. Oui. On a l'air d'être parti sur de nouvelles bases. Portable, donc qu'est-ce que tu veux faire? Allez, la bonne ride. Il l'a pas mâché, Gact. Et ça, c'est très intéressant. On rappelle que vous pouvez un petit peu fracasser votre manette hein, pour sortir des états de hitstock comme ça. Yikes! Side bay, magnet, reverse backer. Au sol, je me retourne, je t'attrape par le col. Je te mets en piège de bord, je ne capitalise pas malheureusement. Et ce B en juggle, on va tellement l'entendre. Hein. Habituez-vous. Oui. Parce que Peach, c'est Flotty! On va récupérer la moto. On va essayer de la sortir du terrain. Et là, les blocs. Comment tu fais? Comment tu fais pour sortir de là? Comment tu fais pour esquiver? Tu fais comme ça. Gluttony qui arrive à trouver la conversion. J'ai eu extrêmement peur. Ce trade était extrêmement bizarre. Également, Gluttony a failli sortir l'un des counterplays à Steve de l'année. Et le WAF! On a perdu patience.